là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dimanche matin, il y a ceux qui se reposent, il y a ceux qui récupèrent des sorties de la veille, et puis il y a ceux qui ont eu le courage de venir ici. Ils sont venus il y a déjà un petit moment, ils se sont inscrits. On est au couvent d'Alésagne, c'est l'arrivée, ça sera l'arrivée d'ici quelques instants de cette troisième édition de, vous l'avez vu sur l'affiche, l'Alésanine 4 Trail. Alors dès que vous voyez des t-shirts jaunes, c'est que c'est des gens de l'association. Ils savent faire. D'ailleurs, regardez, ils sont sur le podium, ils sont en train d'installer déjà les petits marchepieds pour le classement. Ils sont juste là. On va aller ensemble découvrir l'organisation de cette manifestation. Et puis on va, avec un peu de chance normalement, avec un peu de chance, on sera en direct pour l'arrivée de la 12, l'arrivée de la 31. Mais tout ça, c'est David, parce qu'il y a, il y a un directeur de course. Bonjour David. Bonjour. Pardon, j'ai oublié le nom. Excusez-moi, on m'a dit David. David Poli. Et ton rôle exact, c'est... Je m'occupe de l'organisation de l'Alésanine. Voilà. On était l'année dernière déjà venu vous voir. Vous étiez en mode... On va se balader en même temps. On va aller vers la bâtisse. On va faire un peu le tour de... Des bénévoles, le tour de l'organisation, le tour de... C'est la troisième édition. Y a la 12 km. Il y a... La 31. Une marche. Et une marche de 7 km. Troisième édition, on est plutôt content. Plutôt content parce que c'est un record sur la participation. Alors, fais-nous un peu le descriptif. On a combien de personnes sur la 12? Donc, on a 127 partants sur la 12. On a 106 sur la grande, 9 au relais et 85 marcheurs. Ah oui, il y a le relais aussi. Comment ça se passe le relais? Parce que le relais, alors, ils partent d'ici jusqu'au col d'Arcarotte. Au col d'Arcarotte, et le deuxième coéquipier qui prend le... Je suis obligé, excusez-moi, quand on parle du col, on est obligé de faire un petit coucou à nos amis de l'auberge et de Valais. Oui, à Paul et à Sylvie. À Paul et Sylvie. C'est là-bas qu'on se retrouve... Oui, dis-moi. Le chronométrage, l'équipe du chronométrage, voilà, qui est... voilà. Comment ça se passe? Ils ont tous un bracelet à la cheville? Ils ont tous un dossard avec une puce. Là, on a des bénévoles, donc on a... Ah, tu me fais le tour, allez. Amanda et Marianto qui ont fait les inscriptions. Amanda, et là, on a des bénévoles qui sont sur le parcours, qui étaient sur le parcours ce matin. Donc on a Paul Simon, le président, Jean-Michel... Paul Simon, on ira le voir tout à l'heure. Jean-Michel qui assiste le pilote d'hélico. Ensuite, là, on va faire un petit tour, là, on a les postes de secours. Je rappelle qu'on est en direct, bien entendu, et que vous êtes sur la page Facebook de Viastyle, et que si vous voulez réagir, intervenir, commenter, n'hésitez pas. Juste le temps que moi, j'arrive à récupérer le réseau, parce que, des fois, on a des petits soucis de réseau. Le PC sécurité? Donc, le poste de secours, le PC sécurité est là-haut. Donc ici, nous avons le poste de secours avec une équipe de secouristes et des kinés. Ils sont là pour... Alors malheureusement, on m'a dit qu'il y avait déjà eu un petit abandon, quelqu'un qui s'est un peu fait mal à la cheville, c'est ça? Voilà, il y a eu un abandon sur la 12 et un abandon sur la 30. Voilà. Alors, on fait des petits coucou à nos internautes qui sont avec nous. Françoise qui nous fait un coucou. Bonjour les guerriers. Alain Focus, je ne sais pas si tu connais. Non. Mon fils à toi, Simone Bartoli. Bon, coucou Simone, mon fils à toi. Salut Simone. Simone. On ne connaît pas, mais... Bonjour à ça. Voilà. Jean-Alphonse, Fernand Orsigny nous regarde. Pierrette nous dit bonjour. On continue le tour. Alors là, nous avons le stand Unity Island. Alors on parle beaucoup de marques de vêtements qui se sont spécialisés. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est devenu une religion. Maintenant, le trail, il y a beaucoup de courses. Il y a des marques qui se sont spécialisées. Alors, il y a des grandes marques nationales, c'est vrai, voire internationales. Millet, mais il y a par aussi, exemple. Millet, voilà, pourquoi pas. Mais il y a aussi des, il y a aussi des marques de chez nous. Voilà. Unity Island, ils sont partenaires sur... Ils sont partenaires sur la Alésanine, comme les Millet, donc la marque Millet, qui est un magasin Expert Shop à Bastia, et comme un autre magasin à Listres, l'univers du sport, qui est géré par Alain Grimaldi. Comment s'est passé un peu cette préparation de la Alésanine, troisième édition? Aujourd'hui, tout le monde est ici, il y a le côté festif, mais en amont, ça a été... Et du travail. Et du travail, débroussaillage. On était ensemble, on avait fait un petit tour l'année dernière sur le travail si de préparation. Il y a du travail parce que il y a eu de la neige, il y a eu beaucoup de casses au niveau des arbres et compagnie. Et cette année, on a été un peu en retard par rapport à ça. Puis c'est vrai que malheureusement, les incendies qu'on a eus, ça n'a pas aidé parce qu'il y a eu pas mal de coulées de boue. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Ouais. Le temps ne nous a pas laissé tranquille cette année. D'ailleurs, on a eu jusqu'à deux jours... Deux jours en arrière, on avait de la pluie tous les jours, c'était pas facile. Ah, il y a eu un petit... Donc je vais devoir te laisser. Allez, je le laisse parce que, c'est aussi ça les aléas de la course. Il y a eu, un petit incident sur la course. Ils sont en train de voir, a priori, durant la course, il y a quelqu'un qui est tombé, qui se serait fait mal. On va essayer d'en savoir un tout petit peu plus dès que David aura pris les informations. Paul Simon.
un petit accident, ça devrait aller. Bon, de toute façon, on va aller embêter les gens de l'organisation. Là, ils sont en train de gérer, mais c'est aussi ça la course, il y a l'ambulance, il y a l'hélico, ils vont gérer ça, on reprendra des nouvelles d'ici quelques secondes, parce qu'ils nous ont... Eh, tiens, 1, 2, 3, ce sera... Toi, bah si, mais si. Marie-Anto avec nous. Marie-Anto, elle a dit, moi, je veux pas... Est-ce qu'elle partage? Je crois qu'elle est en train de nous regarder. J'étais dessus. Elle était dessus, viens. On va aller là-bas, parce que c'est par là qu'ils vont arriver. Oui. Les autres, ils m'agagnent. Ils m'agagnent, mais si je retourne les chercher, il n'y a plus personne qui va parler. Là, je vois, il y a un petit moment de tension, parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé, qui s'est a priori blessé. Tête, mais... Exactement. Alors, ça peut être impressionnant, mais... Ça serait pas très grave pour l'instant, vu les informations qu'on a. Ça va ? Même si c'est impressionnant. Oui, non, mais ça va, il paraît. Et puis tout est prévu. Tout est prévu. Voilà. Bah oui, c'est sûr, quand on court, bah, des fois ça peut arriver, on glisse, on tombe, on se fait mal, ça saigne beaucoup la tête. Promis, on vous donne des nouvelles très rapidement concernant ce coureur qui s'est fait mal. Ils vont arriver par là ? Ils vont arriver par là, c'est ça. D'ici combien ? Alors, pour la 12 km, ça devrait pas tarder, vers midi, vers 12 heures. C'est quoi les... On parlait de tout le travail très physique qu'il y avait en amont avec David et avec Paul Simon, oui. Débroussailler, arranger les sentiers et tout ça. Mais c'est pas que ça, l'organisation d'une course. Toi, tu étais un peu de l'autre côté, c'est les inscriptions. Les inscriptions. Donc hier, toute la journée au Leclerc d'Alistre, donc de 10h du matin à 19h le soir. Donc on a fait les inscriptions avec Amanda également. Donc après, ce matin ici à 5h30. 5h30 du matin, elles étaient là. On était là. Présente aussi pour les inscriptions, donc pour la 31 km, la 12 km ainsi que la marche. C'est quoi les soucis qu'on a quand on s'occupe de cette partie-là, on va dire entre guillemets administrative, c'est dire mon Dieu, il manque un coureur. Tout à l'heure, on avait une panique sur les relais. Alors, on a une il y avait 9, 8 relais, 8 relais, 9, à chaque fois c'est une concertation, c'est vous une êtes concertation. Tous reliés en Toki. On est tous reliés, cette année c'était un peu plus simple au niveau des dossards parce qu'on avait les puces derrière, donc ça nous a évité un stress par rapport à l'année dernière. D'année en année, vous évoluez ? D'année en année, on évolue, exactement. Donc cette année, je pense qu'on était très bien. Le plus gros souci, c'est au niveau des licences et des certificats médicaux. Il faut à chaque fois, parce qu'on ne peut pas se permettre, il y a des gens qui disent au cas où je viendrai au dernier moment. Non, il faut avoir sa licence ou son certificat médical. Prouvant qu'on peut participer à la course. Pour des histoires de responsabilité. Exactement. Si jamais sur la course, il y a quelqu'un qui nous fait un malaise, on dit oui, mais cet homme ne pouvait pas courir. Là, au moins, on sait qu'il pouvait. Et de toute façon, le médecin ne lui laisse pas prendre le départ. Donc, quoi qu'il arrive, allez. C'est obligatoire. Un petit tour des internautes. Oui, viens avec moi. Je vais pas tu veux. On va se mettre là parce que c'est par ici, Laurent, qu'on va voir. Laurent Simon-Paul qui est toujours avec nous derrière la caméra. C'est par ici qu'on va les voir arriver. Alors, on continue. Il y a Marie qui nous fait un bonjour. Il y a Nadine qui nous embrasse. Il y a Albert Baldi qui nous dit bonjour. Il y a Anne-Marie Cordoba qui nous fait un truc comme ça avec le pouce. Tiens, tu es avec moi, j'en fais un sur deux. C'est à toi. C'est Marie-France Capagne qui nous dit hello. Jean-Mi nous fait lui aussi un truc comme ça. Il y a Claire qui nous fait un truc avec la main comme ça. Il y a François. Ensuite, il y a Aline qui nous fait un bonjour. Daniel, Jean-Charles, Riolacci. Oh, les Riolacci, ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Hein. même du côté de Piedrigage, le plus beau village de Corse, n'est-ce pas? On a vu les préparations la semaine passée au couvent et nous avons super bien mangé au col de Carotte chez Paul. Bah oui, Paul et Sylvie. Entre-temps, vacances finies, nous sommes rentrés en Belgique. Martine, il ne fallait pas rentrer en Belgique, il fallait rester ici. On a un Belge aujourd'hui qui fait la course, une Lucie, Belge. Lucie Gaspard qui nous dit bonjour. Il y a Mathéa qui dit salut Yann, bonne course à tous. J'ai cru qu'elle allait dire bonne course à toi. C'est Laurent Simon-Paul qui voulait s'inscrire à la 11 km et est très bon sur le 11 km finalement. Oui. On ne nous entend pas très bien, nous dit Fernande. Ben, écoute Fernande, je vais essayer de parler plus fort. Non, Laurent, est-ce qu'on nous entend bien? S'il n'y a que Fernande qui nous entend mal... C'est que c'est Fernande qui a un souci. Eh oui, bon retour en Belgique, nous dit Jean-Pierre, c'est pas gentil. Christophe nous fait un coucou. Sylvie nous dit, pour voir si tu suis, belle journée. Oui. Super, des événements comme ça, nous dit Focus Alman, Alams et Catherine Andréane nous dit bonjour. Raconte-moi, là, on a toute la vallée. Là-bas, si Laurent arrive à monter juste en haut du clocher assez rapidement, eh bien, il verra toute la descente vers le barrage. C'est ça. Hein, mais il faudrait qu'il monte très rapidement et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et on a une vue sur la route. Alors, quand vous, il y a des gens qui me demandent comment on vient ici, c'est pas compliqué. Tous les chemins mènent au couvent d'Alezagne, couvent Saint-François. Soit on vient de l'autre côté, alors, vers le sud, d'Aléria. D'Aléria, on passe par Cervioni.
direction de Cherviens. Ah non, là, moi, je ne suis pas d'accord. Non. Vous passez par où, Sainte-Juliane? Ah, Pietradiverde. Ah, Pietradiverde, oui, c'est vrai. Oui, par Cherviens, c'est bien. Non. Par Cherviens, c'est plus simple. Je suis obligé de passer par Pietradiverde parce que je me suis arrêté boire, tiens, le café chez nos amis les Fratichiers, Toussaint et Catherine, à qui je fais de gros bisous. Ils sont juste là. Vous voyez, par Pietradiverde, oui, la route, non, elle la route est belle. Et de l'autre côté, par Cherviens. Et de l'autre côté, par Cherviens ou par Auritz. Ah, ou par Auritz, c'est vrai. Non, mais c'est un peu... ça va mieux, dit Ribella Tourquine pour le son. Merci. Christophe, bonjour, ne descendez pas trop car il faut remonter. Merci. Et Vincent nous fait un bisou. C'est... Alors, ils vont arriver par où? Non, non, ils arrivent là. Hein. Ils arrivent par là. Mais directement par la descente là ou non. Le long du chemin là? Là, voilà. Ça, ils remontent. Voilà, donc on va les voir arriver là. Voilà, c'est ça. Avec un peu de chance. Voilà, tu connais le... Tu... Tôt, hein. Ah, moi, on m'a dit qu'ils avaient passé Hortal. Pas... Ah oui, alors si... Le premier n'est pas loin. Ils ont passé Hortal et... Un certain Quidditch, tu connais? Oui, Anthony. Enfin, je ne connais pas personnellement. Hein. Il est venu s'inscrire ce matin. 10. Le numéro? Oui. Alors, je crois que c'est. Moi, je dirais 10-28. 10-28, c'est ça. Au hasard. Oui, c'est ça. 10-28. Voilà. Oui. Comment il est là? Par où il est arrivé? Ah bon? Alors, on nous dit que Anthony vient d'arriver. Par où il est passé? Alors, il est arrivé? Il arrive à l'envers. Il arrive à l'envers. Alors en fait, le Anthony, il a décidé de faire 100 mètres en plus, c'est-à-dire qu'arrivé là à la branche, il est passé par au-dessus. Allez, viens. Ben oui, on était bien placé là pour le voir arriver du bon côté. Qui c'est qui contrôle justement ça? C'est important durant tout le trajet. Le signaleur sur le trajet qui contrôle, oui, effectivement. Sauf que là, on ne pensait pas qu'au dernier moment, bon, il a fait une boucle de 50 mètres. C'est la première fois qu'il a fait, donc peut-être que... Donc en fait, c'est nous qui allons arriver les premiers, en fait. C'est ça. Où est-ce qu'il est, Anthony? On va aller récupérer Anthony. Je te retrouve tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. On est en direct. Ouais. Oh, moi, je t'attendais de l'autre côté. Alors, moi, j'ai fait un demi-tour en plus. J'en avais pas fait assez. Alors, je me suis fait une montée en plus. Non, c'est par là que tu devais arriver. Je sais, mais comme je n'ai jamais fait. Je t'ai dit, allez, 100 mètres en plus. Oui, voilà, ouais, pour décrasser. Comment ça s'est passé? Ah, très bien. Bah, pour moi, super roulant. Et j'ai couru partout. J'adore. Hein, c'est les chemins super bien nettoyés. Je ne sais pas si sur la 31 c'est comme ça, mais chapeau, hein, bravo. Pas ta première course, c'est clair. Non. La première fois par contre que tu viens ici? Oui, c'est la première fois parce que d'habitude c'est le jour de mon anniversaire, donc je fête mon anniversaire. Là ça tombait que c'était un peu plus tard, donc j'ai pu venir pour la première. Une bonne raison pour fêter ton anniversaire ici. Voilà, ouais. Particularité de ce trail par rapport à d'autres, on a vu tous les trails, tous les week-ends, il y a un trail maintenant. Il est quoi? Il est plus roulant, il est plus technique? Il casse un peu au début. Mais ce qu'il y a, c'est que la montée, elle est roulante parce qu'il y a beaucoup de relances. C'est pas une montée vraiment. Elle te comme brûle il y a... pas direct. Voilà, elle brûle pas. Il y a des relances, moi ça me plaît, donc j'ai couru partout. Et ça voilà, après. Montée par étapes, oui, non, oui, non, oui, non. Non, tout le temps à mon rythme. Hein. Tout le temps à ton rythme. Ouais, tout le temps à mon rythme. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je les lâche, ça sera moi le premier? Et de suite après le village, là, hein, moi j'ai... Tu n'as même pas cherché à calculer le... Non, parce qu'ils se sont mis à marcher derrière moi, donc j'ai dit, bon, moi j'ai continué mon rythme. Je me suis retrouvé seul tout le long de la course, je me suis arrêté au ravito. Impeccable, je me suis régalé. Bon, voilà. Combien tu l'as fait? Du coup, comme tu es arrivé de l'autre côté... Ouais, du coup j'ai fait... On va aller voir le... J'ai fait 100 mètres en plus, mais... Il y a la famille qui fait coucou. Alors, il y a François qui dit bravo mon fils. On est ici en direct. Mon père, ouais, il doit me suivre sur Facebook. Ouais. François nous dit bravo mon fils. Il y a ma mère. Gisèle, ben, c'est ma mère. Gisèle qui fait des cœurs. Voilà. Bonjour. Ma sœur. Noël, bravo. Noélie, voilà. Sur tous les internautes qui nous suivent. Bisous ma sœur, mes parents. Alors du coup, comme on est en train de faire l'interview du frère, du fils et du fils, vous êtes obligés de partager tous le direct, d'accord? Voilà. Tu as ton temps exact? On va aller voir ensemble si tu veux. Ouais, je voir si tu es d'accord avec eux. Ouais, allez, on peut aller voir parce que. On parle du temps du numéro 1. Qui c'est qui a le temps? C'est nos amis. 1h12. 1h12. Alors. Et Jean-Charles, il est arrivé aussi? Non, il a abandonné. Ah, c'était un abandon. Donc, Anthony Quidditch, premier senior, 1h12, 27 dixièmes. Et le prochain, ça serait qui? On sait déjà. Noël Giordano, je pense qu'il était derrière moi. Enfin, au début, il était derrière moi. Que tout le monde connaît aussi. Oui, voilà, oui. C'est à combien de courses sur la saison, là? Moi? Ouais. Alors, j'ai été blessé 2 mois.
J'ai commencé en début d'année, il me semble, avec le semi-marathon de Borgo, que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Comment on se prépare? Une semaine avant, on dit en... Non, c'est sur l'année qu'il faut se préparer, ouais. Là, j'ai repris, ouais, j'ai un peu de mal parce que ça fait 2 mois que j'ai plus couru. J'ai repris pour Fouriagne. Donc, ça fait quoi? Un mois et demi, là, à peu près. Voilà, je reprends. Tout au long de l'année, c'est pas au dernier moment qu'on prépare un sprint? Non, il faut... C'est combien de temps de course par semaine, par mois, pour avoir une caisse suffisante? Moi, je fais 2-3 sorties par semaine. Après, les courses, ça sert aussi d'entraînement, quoi. Hein, parce qu'on se donne à fond, bien sûr. On les cite quand même, voilà. Parce que c'est ton équipe. Ouais, Figaré, là, il y en a qui représentent, ils sont sur le continent, ils ont fait une 65 km. Voilà, donc ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais voilà. C'est combien de personnes, là, Figaré? On est une quarantaine à peu près. Voilà, il vient de se créer cette année avec Loïc Léonard, que vous connaissez bien, Maxime Bertrand, les Vincent Combeau, Emmanuel Moraquigne. Voilà, Emmanuel Moraquigne, à qui on passe le bonjour. Voilà. Bon, allez, on va te laisser récupérer. Merci. On va récupérer. Qui on va récupérer de l'association? Je vais essayer de trouver. Cécilia de l'association. Non, moi j'aimerais bien que quelqu'un me donne des nouvelles du monsieur qui s'était blessé. David. On va faire un tour au PC après, Yann. Hein, ouais. Hein. Alors, dis-moi, la personne qui était blessée, on me demande des nouvelles. Comment ça va en fait? Ça va, tout va bien. Bon. Tout va bien, tout le monde va bien. Bon, allez, on te laisse. Il est à fond. Je donne ça au kiné, on monte au PC. Alors, je sais pas, il est gentil, David. Il veut qu'on monte ton PC, mais le PC, c'est à l'intérieur du couvent. Et je suis pas sûr, certain que ça passe à l'intérieur du couvent. À l'époque, il faisait des murs un peu épais, hein, au niveau du réseau. Je suis en train de te dire, moi, je veux bien monter au... Mais les murs, ils sont un peu épais, les murs du couvent. Et pour le direct, ça va être un peu compliqué. Non, ça va. Qui c'est qui est arrivé? Ça, c'est un marcheur. Un marcheur, où est-ce qu'il est? Il faut que tu me dises, David. Hein. Oui, le fameux marcheur. Ah, il est là, le petit jeune. Oh. C'est le premier des marcheurs, c'est toi. Bonjour, ton prénom? Lorenza Nilange. Premier des marcheurs, où est-ce qu'il est ton nom? Je ne sais pas s'il est sur ce classement-là. Ça, c'est seulement la course. Oui. Tu as fait la marche combien de temps? 56 minutes. Combien de distance? Je me suis un peu trompé, j'ai fait 9,50 km. Au lieu de? Au lieu de 7 km. Ouais. Wow, c'est quoi, 2,5 km en plus pour toi? Tu es d'où? De Alistre, Saint-Julian. Saint-Julian, et tu es monté ici faire le trail? Ouais, mais en général, je fais plus de vélo que de trail, mais j'ai dit ça va être bien. Bon, mais ça s'est bien passé? Oui. Bon, tu as l'air en forme? Oui, je suis en forme. Bon, l'année prochaine, tu fais le 11 km. Ouais, tiens, à partir de quel âge? Parce que lui, il a fait la marche. À partir de quel âge on peut s'inscrire si on a la licence et si on a le certificat? Alors, pour la 12 km, c'est 16 ans. 16 ans. Ah, il va falloir attendre encore un peu. Bientôt. Hein. Et la 31, par contre, c'est 20 ans. 20 ans, d'accord. Il a pris pas mal d'avance, hein, notre collègue, le premier de la 12, oui, là, parce que les suivants ne sont pas encore... Oui, Anthony bombarde. Hein. Il bombarde, ouais, c'est Anthony le cas. Anthony bombarde. Ouais. Bon. Laurent, ce que je te propose, il est 11h, la 31, ils vont commencer à arriver dans combien? Il faut voir où c'est qu'ils sont, ils devraient commencer à arriver vers 11h30, je pense. Laurent, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure, là on va laisser les premiers de la 12 arriver, se détendre un peu, et puis nous on se retrouve d'ici 20 minutes et on fera l'arrivée de la 31, parce que là, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver, c'est le numéro 2 de la 12? C'est le 2 de la 12. Ah ben allez, on dit un petit coucou au numéro 2 de la 12, il est là. Alors lui, il est arrivé du bon côté, ça tombe bien. C'est Noël? Arrivée de Noël Giordano. Deuxième de la petite boucle, on l'applaudit une nouvelle fois bien fort. On le laisse récupérer 2 instants, Noël. 1h20, c'est son chrono. 1h20, 8 minutes de plus que à peu près à la louche. T'as pas réussi? Non. On le laisse récupérer. Regarde, dans 8 minutes, tu seras aussi frais que lui. Il n'y a pas de problème. Des difficultés sur le trajet? Un peu. La montée, raide. Alors lui, disait que la montée, il a trouvé assez roulante parce que... Il est bon en montée. Le même gabarit, sec, hein? C'est pas ta première expérience. Ouais, et comment ça se débrouiller, Noël? Ouais, c'est un très bon jeune, je pense qu'il va, il va pas tarder à arriver à mon niveau. On t'avait vu à Omé, ça tu avais fait. Ouais. Tu avais gagné. Tu avais gagné, là, numéro 2. Tu étais monté, tu n'étais pas monté à Omé? Non, j'étais blessé, c'est pour ça, sinon j'aurais été là, oui. Ouais, il y a une solution, Il faut le blesser à chaque fois. Je pense qu'à force de courir dans un mois, il va finir par me dépasser. Là, il y a combien? 8 minutes, en gros.
Oui, à peu près, je ne sais pas exactement. Je peux demander la différence d'âge, toi ? Comment ? Ton âge ? 32, j'ai eu 32. Deux ans de plus. Ça va, tu as le temps, t'inquiète. Oui, voilà. Sur l'usure, tu l'auras. Merci Noël. Noël, on l'avait vu ensemble, c'est vrai, à Omès, il avait fait premier du trail d'Omès, mais aujourd'hui il fait second, c'est aussi ça. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants, ça sera pour l'arrivée de la 31, et puis l'arrivée de la marche. Et puis juste après tout ça, il y aura... Juste là derrière, à l'intérieur du couvent, ben, il y aura un sprinting. Et puis si vous voulez venir ici, si ce n'est pour courir, vous pouvez venir aussi pour l'ambiance, parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a de quoi se restaurer, il y a un bar, il y a des stands, il y a des gens qui sont là. Oui, Laurent, je te suis. Il y a le couvent, si vous ne le connaissez pas, c'est le bon moment pour visiter le couvent. Et puis on fera même, tiens, puisque je sais que Laurent Simon-Paul il adore l'hélico, on fera un petit tour en hélico et on vous montrera des images superbes de la course depuis les airs. A tout à l'heure sur la page Facebook de Via Stella.